Pour beaucoup, le nom de Jospin est souvent précédé du prénom Lionel, resté comme l'un des occupants contemporains de Matignon les plus mémorables de ces dernières années, mais il peut également être accolé au prénom Eva, faisant alors référence à la fille de l'ancien premier ministre de Jacques Chirac, et connue pour ses talents d'artiste. La femme de 48 ans, diplômée des Beaux-Arts de Paris et véritable référence dans le monde de l'art, va d'ailleurs prochainement exposer en Avignon au Musée d'Art Contemporain Collection Lambert, où ses œuvres seront visibles tout au long de l'été. Fier, Lionel Jospin ne manque pas de mettre sa fille en avant lorsque l'occasion se présente, ou de parler également de son fils Hugo, connu comme étant compositeur de musique pour documentaires, mais il n'est pas le seul premier ministre à parler de ses enfants. Si Elisabeth Borne, qui assure la charge de la fonction de première ministre depuis un peu plus d'un an désormais, est, comme à son habitude, assez discrète sur ce sujet, ayant tout de même parfois évoqué sa relation avec son fils Nathan, son prédécesseur, Jean Castex, n'avait, lui, pas manqué de parler durant son mandat de ses quatre filles, Lise, 22 ans, Pauline, 20 ans, Eugénie, 16 ans, et Léa, 11 ans, née de son mariage avec Sandra Ribelleg. Avant Jean Castex, Édouard Philippe, a lui aussi profité de ses trois adolescents lorsqu'il a cédé sa place à l'ancien maire de la commune de Prades en 2020. Le chef du mouvement Horizon a eu Anatole, 19 ans, Léonard, 17 ans, et Sarah, 12 ans, avec sa femme Edith Chabre, avec qui il est marié depuis 2002. Très protecteur, l'ancien premier ministre d'Emmanuel Macron n'a jamais voulu se faire photographier avec ses enfants par la presse. Ils n'ont d'ailleurs pas emménagé à Matignon, restant dans leur appartement du 9e arrondissement de Paris. Quand j'ai commencé à avoir une vie politique visible, si est-il à dire quand je suis devenu maire en 2010, j'ai pris le parti avec ma cellule familiale de ne pas exposer notre vie de famille, avait expliqué Édouard Philippe à Madame Figaro en avril 2021. De ne pas faire de photos avec les enfants. La contrepartie étant que, dès lors que nous ne l'exposions pas, il nous paraissait probable que ceux qui, à l'extérieur, pouvaient avoir envie de l'exposer ne la montreraient pas. L'ancien numéro 2 du gouvernement avait ajouté que cette césure entre sa vie politique et sa vie de famille avait été une manière pour lui de garder les pieds sur terre, cela m'a permis d'avoir une forme de rappel à la réalité assez précieuse, notamment dans la période Matignon. Dominique de Villepin, sa fille, aussi célèbre que lui. Certains ex-premiers ministres ont des enfants qui sont devenus célèbres. C'est le cas de Dominique de Villepin, père de Marie, né en 1986, Arthur, né en 1988, président de société et ex-compagnon de l'actrice Anna Girardot, et Victoire, né en 1990, diplômé d'un master en management à HEC. Si les deux cadets sont plutôt discrets, l'aîné du clan a bâti sa carrière dans le mannequinat et a fait quelques apparitions remarquées au cinéma. Marie de Villepin a ainsi été l'égérie du parfum Ange ou Démon de Givenchy et a incarné le rôle de Betty Catrou dans le film biopic Yves Saint Laurent, 2014, avant de dévoiler un sein nu en couverture du magazine Lui. Crédit photo, Giancarlo Gorassini Bestimage.